Hello tout le monde! Avant de commencer cet épisode, je tiens juste à dire, cet épisode s'est construit après avoir assisté au spectacle Exploit au Cirque d'hiver Bouglione à Paris. La vidéo ne fait en aucun cas la promotion du Cirque Bouglione à Paris ni à ce spectacle. Je ne cherche pas non plus à faire la promotion des cirques en général. La vidéo, c'est simplement un retour sur expérience. Tu as souvent été au cirque. Comment te dire? Absolument pas. À savoir en fait que depuis que j'étais petite, j'ai peut-être dû y aller deux fois. Sinon, à la base, je ne suis pas du tout fan de tout ce qui implique des animaux enfermés, que ce soit cirque, dolphinarium, zoo, etc. Aussi bien traité soit-il. Pourquoi ce spectacle alors? Comment te dire? D'abord parce que j'avais été invitée. Ensuite, parce que le cirque d'hiver Bouglione en lui-même a plutôt bonne réputation. Et puis, c'était histoire de voir de mes propres yeux le spectacle et me faire une idée et ne pas me limiter au on dit. Quel est le verdict alors? Comment te dire? Sur les à peu près 2 heures qu'a duré le spectacle, il y a peut-être eu 10 à 15 minutes où j'ai pas été à l'aise. Et c'était pendant le numéro des lions et des tigres. C'était inutile. Ils n'avaient pas l'air d'être maltraités, mais je pars du principe qu'ils n'ont rien à faire dans cet endroit-là. De plus, les lions et les tigres dans la nature ne se fréquentent pas tant que ça. Puis quand je les ai vus, j'étais un peu triste parce que concrètement, ils connaissent rien d'autre. Et ça m'a vraiment fait penser au mythe de la grotte. Faut rappeler que il n'y a pas que les humains qui ont des sentiments et des émotions. Et le reste du spectacle? Comment te dire? Ben en fait, pour la plupart des numéros, c'était plutôt bien. Même très bien. On se rend compte, en observant la plupart d'entre eux, qu'ils représentent vraiment la signification du mot exploit, le titre du spectacle. Tu ne veux pas en dire plus? Comment te dire? Bah en fait, j'ai pas forcément envie de spoiler et j'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Le spectacle de voltige et d'acrobatie et avec des humains en gros, c'est très bien. La partie avec les animaux, j'ai pas aimé. J'espère vraiment que les consciences vont évoluer et qu'on va aller de plus en plus vers des cirques avec des spectacles qui n'incluent pas d'animaux sauvages. En attendant, il faut faire entendre sa voix en évitant la violence. Voilà, ça a été assez rapide. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager et à laisser des petits pouces en l'air. Abonnez-vous et activez la petite clochette de notification. Et en attendant, je vous dis, soyez vous-même. À la prochaine.